Voici 3 secrets sur Discord. Vous voyez ce logo tout en haut de vos serveurs favoris? D'ailleurs, j'espère que vous êtes sur le mien, soit dit en passant, pour ne jamais arrêter d'apprendre. Bah, si vous cliquez sur le logo de manière frénétique 10 fois d'affilée, Discord va se mettre à parler et à vous dire Discord. Pas mal, hein? Bon, par contre, j'aurais dû vous prévenir que maintenant, il va dire ça à chaque fois que vous le lancez. Désolé. Pour me rattraper de vous avoir refilé cette malédiction, vous pouvez taper sur votre navigateur internet discord.com/404, ce qui vous redirigera vers la page d'erreur de Discord qui est affichée quand la ressource cherchée n'est pas disponible, et où on peut voir un magnifique boom pouce se taper des ramen chez le restaurateur du coin. Mais en cliquant sur le petit panneau avec le serpent, vous allez être redirigé vers un snake, enfin qui s'écrit snake car c'est plus cool. D'ailleurs, il ne mange pas que des pommes, mais aussi des souris ou des cartes graphiques comme un vrai nerd. Comme ça, vous pourrez y jouer quand vous voulez. D'ailleurs, vous avez reconnu la musique qui se lance pendant le jeu? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le thème 8 bits du piano 4 R.I.P. in Peace, le petit chat. Enfin, si vous êtes plutôt axé musique, vous pouvez appuyer sur CTRL+/ n'importe où sur le logiciel et vous fera apparaître le menu des raccourcis clavier, ce qui est déjà très pratique, mais surtout qui vous permettra de jouer vos meilleurs morceaux avec vos flèches directionnelles.